Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre 2022, c'est un samedi. Il pleut à Johannesburg, donc nous sommes toujours dans notre vadrouille sur les rues ou les autoroutes de Johannesburg. Je vais réagir aujourd'hui sur ce qui se passe à Bunagana, à Rutshuru et à Kiwanja. Mes chers amis, notre pays est en train de partir petit à petit. Le M23 a organisé un meeting et a, par cette même occasion, a fait savoir petit à petit ses intentions et a montré qu'il est là pour des réclamations. Peut-être que pour eux, c'est une réclamation fondamentale. Et ils ont libéré les camions qui quittaient Butembo vers Goma. Et ils ont parlé à la population et nous avons cette vidéo. Et avant d'aller un peu plus loin, je vais vous mettre cet petit extrait de ce qu'ils ont dit à leur meeting. Je n'ai pas l'habitude de donner de petits extraits, mais ma réaction justement va porter sur ce qu'ils ont dit pour que je vous dise ma position sur le M23 et ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Suivons ce petit extrait et puis nous revenons tout de suite après pour que je puisse vous donner mon point de vue. Kani kama leo si ndio shida, hata mmalize basi shida ya Wakongomani, ya ndugu zetu, ya mama zetu, ya dada zetu. Eske shida ilimalizika? Hakuna. Fanya miaka kumi tukiwa nje, hatukukua kuwa nje, si mnajua? Ndio mimi nimetoka kwetu, sawa. Wanasemaka eti muunde mnande, eti sijue Lubero Masisi. Kama wako kuko waunde wako hapa. Ndio. Na wanani? Ndio. Kwa hapo ni Toro, mimi nimetoka Uganda, sema wanaita Toro. Na yeye anasema bali vukaka bongo kweli. Sasa kisha unafanya jibu naseme, oh Masisi ni yetu, oh Lubero ni yetu, Beni ni yetu. Bongo. Na wa hapa na yuko na kwenye alitoka. Na mwingine ule wa Equateur na wapi yuko na kwenye alitoka. Mnisikie mimi? Na ndio shida ambayo inasababisha vita ipende kumalizika. Unakuwa wamoja wamejiita ti wao ni wakongomani kuliko wengine, wa originale kuliko wengine. Hata Kishasa hiyo ni shida ambayo ipo. Na ndio jana ilikuwa nchi ya Wakatange, leo inageuka nchi ya Waluba. Manake kesho siku Mnyaruchuru atakuwa naye Mnyaruchuru igeuke nchi ya Wanyaruchuru. Haiwezekani. Kwa sababu atageuka sijue nani igeuke nchi ya mpaka siku gani sasa tutafikia wapi? Kama ni ujinga. Sasa sisi tumevuka hiyo etapa. Hatutakubali vitu kama na hivi. Na yote mwenye ataleta vitu kama na hivi hatutakubaliana naye. Hatutakubaliana naye, hapana. Na ndio maana tumesimama. Baada ya pose ilimalizika, sasa tuko mwaction. Mpaka siku watakubali. Kwa mtu mmoja kama sivyo, hakuna shida. Mungu ni Mungu, anajua. Mtumba sote wa kuumana. Sisi ni vumbi vya Mungu. Hatutabakia bila nchi, sawa? Si niko nasema Mungu yuko naona mimi. Tunasikia. Hapana. Mungu anapita kumromona ndani ya Rwanda. Hapana. Sawa sawa. Shida yenu hakuna shida, nikatie list ambayo mmejenga ni wangapi? Kenye chiko kabla sijaiona hadi. Ni haiko kwa hii list jinsi mmejenga. Magari zapata haiko kwa program ya mpango yenyewe inaenda kuwepo. Ndio. Mvua ikikuja na anadharau ajiandikishe kwa ile list. Ndio. Kazi zinaweza kupanga namna gani mtaondoka na namna gani mtafika mwisho ya sehemu ambayo sisi tunaweka fosi. Kinachobakia ukishafika pale kulimite, kama siwaambie ni saa hii, siwaambie ni jioni, kazi ndio zinaenda kuassess hiyo program kuweka muda gani kisha muondoke, lakini tu garantire ya kwamba mna security na mmetoka mweneo yetu na salama, na tumefikiza na ile ambayo mmeiona kwetu. Tunawaomba muizungumze. Voilà ce qu'ils ont dit. Bazo réclamer nini? Bazo réclamer problème à nationalité. Bazo réclamer que tribalisme le quitte trop. Bazo réclamer kaka biloko wana ba réclamer kana 2011-2013 kuna dans leurs accords qu'ils ont signé avec le gouvernement. Donc pratiquement, nous savons que le M23 est à Kinshasa. Bah, M23 bazar na Union Sacrée. Mais le problème reste là. Problème ezali wapi. Problème ezali et pas na biso ba Congolais. Et pas ba dirigeant na biso. Ne nous voilons pas la face, mes chers amis. Ne nous voilons pas la face. Qu'est-ce que nous avons? Avons-nous réellement un pays de droit?
Est-ce que l'autorité de l'État est effective à l'est de la République démocratique du Congo? Bandeko, tous à la conscience et puis tous à la réelle, tous à la réalité sur terrain. Autorité à l'État à la Rakunate. Nous n'avons pas réussi justement à résoudre le problème fondamental de notre pays. Le problème fondamental de notre pays, c'est la nationalité. Nairobi la cabine en gros tous les jours. Nous n'avons pas de carte d'identité. Qui que ce soit peut venir aujourd'hui en République démocratique du Congo et se réclamer congolais. Toza na possibilité te ako prouver ki congolité na biso. Toza na possibilité wana te. Il faut rétablir l'État. Bon, masolo oyo, bakobet, bakobandango, soki na Nairobi lelo, parce qu'il y avait une. On avait demandé à ce que le gouvernement congolais, bakouta na lisusu na ba groupes armés, o bazalaka na est de la République démocratique du Congo, pour babeta masolo. Vous aviez entendu que, et ils réclament d'être réintégrés dans l'armée, d'être intégrés dans l'administration de l'armée. Est-ce que bazali te bazali? Problème ezali wapi? Problème ezali ke biloko nyoso tu oana to tia kango kate na nani na gouvernement na biso. Gouvernement na biso tia kango kate. Bakuluna soki bazako sala kikuluna, c'est parce qu'il réclame quelque chose. Kokoso ezali nanu ebele sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Bakuluna bazala kote oyo ba criminel kote kuna bakuluna en cravate ki moyibi. Justice Nabiso Ezo Salabiente, tout ça, c'est un problème fondamental de la République démocratique du Congo. Il faudrait que c'est que par là que tout banda kosale la mboka Nabiso, tout rétablir batunyo surtout naba droit na bango. Distribution équitable à richesse Nabiso. Tozo mona que président lelo azako sala avazo se focaliser parce que on lui a mis la pression que non Kasai batubaza na babalabala te ba Kasai batubazo kende na Lubumbashi nzala ezali tout ça. On n'a pas réussi à rétablir l'autorité de l'État, à redistribuer la richesse de la République de la République démocratique du Congo sur toute l'étendue. C'est comme ça que nous nous sommes dit, il faut rétablir l'autorité de l'État en commençant par d'abord le problème d'identification. Il faudrait que biso ba congolais toye bana. Batuna batuba se sentir que bazana mboka na bango et pou baza ko sale la mboka na bango. Loi ezala respectée. Nous avions dit ici que non. Il fallait commencer par le problème de la loi fondamentale de la Constitution pour résoudre le problème wana. C'est ça qui fait défaut à notre pays. Le pays est en train d'être dirigé par n'importe qui. Mutuna mutwa koya awa kosala boendenge. C'est demain que oh chinois moko koya awa lobinga ngana za congolais tout ça ngai boy. Et puis ils volent kimoyibi ezali tout ça désordre ezali. Batuna batu baza kosala ba musique na bango baza kobeta batu bazo kokufa. L'été zalité. Depuis Kabila, on n'a pas, nous n'avons pas résolu le problème fondamental de notre pays. Et batou bazoya na pouvoir, ba comprenant yangote. Je parle ici du gouvernement actuel. Ils se disent que non, ils vont rétablir la paix, ils vont faire les droits. Pendant ce temps-là, nous continuons à avoir les détournements au niveau alikolo à l'État. Banzele za kotonga mate, batuba za koyiba na ndenge na bango. Regardez ce qui se passe au sud Kivu. Batuba koti na ba parti politique, basala boye, bayiba, bas trafic d'influence, tout ça, ça c'est le problème réel du peuple congolais qu'il devra d'abord résoudre avant que na babilo comme sous alikolo. Rétablissons l'autorité de l'État et l'autorité de l'État doit d'abord commencer par l'authentification du peuple congolais baza wapi baza sala kanini baza linini banani yango baza na droit tozo mona ba problème ezé belé na ba chef coutumier ba problème oza na kwa mutu dans le bandundu à l'équateur vous avez vu les ignélé tout ça passé les qui l'été ça kokoka ko résoudre ba problème fondamental ya peuple congolais té. Et le gouvernement actuel ne s'était pas attelé sur ça. Mutuna mutu akoyiba mbongo akoya koloba ke non ngande mutuna koya kosale la bino boye. Quand il arrive là-bas, rien n'est fait. Akomi kosala kama kambu oyo oba batu ya kala basala ki.
il n'y a pas de changement en République démocratique du Congo. Batouana ya Bunagana na ba M23 tozo benga ba M23. Ata to fingi bango, ata to lobby boy, ata to lobby boy. À un certain moment, pays na biso koza la diviser parce que même l'armée kenyane o ezakoya ba armée wana ya ESA kasuki ya ESA. Bazakoya, bakoya ko bundela biso te. Bakoya justement ko mettre esa armée à dissuasion et cause bundate. Et puis ceux qui battuana ba occupé kaka place wana ba armée wana koya ko yebisa bino non bo bundate boyokana koyokana wana za nini koyokana wana za na koya na politique globale à République démocratique du Congo. C'est comme ça que nous nous disons ici, le problème du Congo c'est un problème global. Esa problème ya Kivu kaka yango mo côté, esa problème ya Kasai yango mo côté, esa problème ya biso nyoso sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il faut que Kinshasa azwa politique moko akoloba keno tomi konté nanu toyeba biso ba congolais toza banani. Lorsque nous allons cadrer ce problème là et nous allons établir la paix, nous allons établir rétablir l'autorité de l'État sur batu ya koloba voici na etuka oyo banani yango basala kanini mabele na biso toko gere yango ndenge nini, qui gère Bunagana, qui gère Kivu, azako apporter nini na assiette fiscale à l'État tout en général. Mais ça, ce qui est en train de se dire, c'est que nous sommes terroristes, nous sommes congolais, nous sommes rwandais. Qui prouve que nous sommes des Congolais? Tout ça, c'est ce qui est la loi. Est-ce que la constitution est respectée? Tout est respectée. Et c'est ça le grand problème fondamental que nous avons dans ce cas. Parce que toza mesure, te disons le gouvernement de Kinshasa n'est pas en mesure de contrôler la population, n'est pas en mesure de remettre la justice dans la population. Ordre zalite to ebina ni azo sala eloko moko te. C'est comme cela que ba pays étranger baza ko profiter na situation. Oh, jamais na ebisa kabino ana lobby ba minere na biso ba pia kango na étranger te biso moko nde to teka kayango. Biso mokonde tokte kaka yango na kibu na kiolela, ça ne profite pas un gouvernement congolais. Ba minere na biso e profita ka jamais na gouvernement na biso ou bien na pays mobimba, jamais e profita kaka na ba poche abatu. Il faut ne yango naza ko réagir awa na conscience collective à tous les Congolais en se disant que le problème est fondamental et le problème commence par la constitution. Na constitution on a biso to loba ki schéma moko to ki ko sala to kende ko solo la na batu ya ba M23 na ba groupe mususu terroriste wana ya koloba keno ata ba kuluna ya Kinshasa. Il faut to solo la na batu nyoso o baza aigri. Ce n'est pas seulement les M23 qui sont aigri, biso batu mususu toza na exil awa toza aigri pe na ndenge mboke za ko kambama. C'est un problème fondamental qu'il faudrait s'atteler et résoudre une fois pour toutes. Tangu tokoyoka na yangwana tozoloba réconciliation nationale oyo bazoloba problème intercongolais. Donc il faudrait que biso ba congolais to se mettre d'accord ya ko relever défi wana koloba. Nous pouvons mettre de l'ordre dans ce grand pays. Ceux qui toza capable été à mettre de l'ordre dans ce grand pays et ko profiter na batu ya libanda. Mais batu ya libanda de la communauté internationale là ne nous a jamais interdit ya kotia ordre na mboka na biso, il ne nous a jamais interdit de nous identifier. Mais gouvernement Kinshasa za kaka ko tourner en rond ya koloba ke no tokosala boy et ils ne font rien. Je vais vous donner un exemple ya likambo ya DDRC. Balobaki ke no ba ko bimisa batu na batu nyoso na zamba ba rétablir bango. Est-ce que eloko ane salema? Et le quoi n'est ça le matin? Tout ce que toutes les promesses que le gouvernement actuel a promis, rien n'a jamais été fait de fondamental. Toza ko satelé kaka to ibimbongo to ke ko sala projet chile gelou, to sali projet au 100 jours, to sali projet au 100 trous, tout ça. Entre-temps nous oublions qu'à Aru il n'y a pas de route. Ba gouverneur akuna donc ezali problème fondamental bande ko nanga naza ko yebisa bino. C'est comme cela que moi je vous dis, il est grand temps à ce que tout s'atteler na problème fondamental qui est le problème d'identification, qui est le problème de la constitution, qui est le problème de la réconciliation nationale. Batu nyoso tout bayeba tozo sala nini tozo kende wapi tozo mema mboka na biso wapi pour que chaque congolais place nyoso to azali tango akoya na mboka na a se sentir que aze pa na ye. Batu wana les M23 ils ne sont pas différents des Kuluna de Kinshasa baza ba aigri.
Ils sont des aigris. Atato fingi bango baza ba Rwandais banini. Tant que nous ne résolverons pas le problème fondamental de l'identification de la population et du rétablissement de l'autorité de l'État, mboko ekobonga kate. Na ba département nyonso ezala na ba département ministère étranger ba biloko nyonso tout eza ko kende mbilinga mbilinga eza mutwaza te toza na ba konzité botela ba biloko ezo salema na Washington. En tout cas, je vais m'arrêter là, mais je pense que j'ai dit tout simplement un petit mot ya koyebisa bino ke désordre eleki désordre eza partout et dans tous les départements. Il faudrait que toya na ba assise au yakolo yakolo bakeno. Nous allons réconcilier le peuple dans l'entièreté. Il faut à la globale. Ce qui m'a solo à nabo kende kobeta, boza la note que non, toke ko résoudre problème à Batouana ya ba M23 T. Nous allons résoudre les problèmes des Congolais. Toutes les Congolais. Il faut toke na politique moko koloba. Voici l'erreur que nous avions commise. Biso gouvernement na biso sala ki erreur boy. Ça n'a pas pu rétablir. Voici la solution que nous vous apportons. Oh, esa solution moko globale ya République démocratique du Congo. Batuna batu baza na est, batu baza na ouest, batu baza na sud, batu baza na nord. Ba s'intégrer na politique globale ya République démocratique du Congo. Et la politique globale, ça commencera par une nouvelle constitution, identification à population, na ko rétablir autorité à l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Bandeko, Nasuki Awa, je pense que j'ai vraiment donné un petit donc aperçu à l'émission Oekozala Lobby ya na sur Facebook, ne manquez pas. Et je vous demande une chose, Bandeko, boye dengai, parce que Bamasolo tozobete la bino, les idées que nous vous apportons, nous pensons que zako kota malembe. Nous voyons beaucoup de gens commencer à s'adhérer. Nous allons sortir du média yaba intellectuel pour ça la média munene. Et pour cela, vous avez vraiment quelque chose à faire, c'est de vous abonner à Contact Pro Live et puis ko distribuer, ko partager émission on a biso tobiye la bino. Merci beaucoup, en tout cas bon week-end. Il fait très froid, il pleut à Johannesburg et nous pensons que nous aurons encore cette opportunité de vous parler en long et en large à baide na biso bon manqué en haute, c'est pour demain samedi à 13h30. Merci, passez un bon week-end. On se revoit demain dans l'émission à qui la faute na Facebook. Ne manquez pas surtout. Au revoir.